Yo, c'est le magasin. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation d'un système qui s'appelle SubmeetHub. Alors SubmeetHub, c'est une plateforme qui permet donc de faire la promotion de ces morceaux au travers, donc de les envoyer directement à des blogs, mais via une plateforme d'agrégateur. Donc c'est pas, en fait, c'est plus simple. Ça permet d'éviter d'envoyer des mails à chaque fois à des blogs. Et l'interface est très simple d'utilisation, donc c'est super bien pour tous les artistes. Moi, je m'en sers et j'ai de bons résultats. J'ai des réponses, bon, souvent négatives, mais j'ai des réponses aussi positives. Donc, ça a vraiment un gain de temps énorme. L'interface est très bien faite, je trouve. Donc, bah, je vous montre tout ça. Je vous montre SubmeetHub dans cette petite vidéo. À tout de suite. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer donc un système qui permet en fait d'envoyer ces morceaux directement à des blogs et d'obtenir un avis donc sur ces morceaux. Donc savoir si ce morceau a été accepté sur le blog ou s'il n'a pas été accepté. Alors ce site, ça s'appelle SubmeetHub. Donc ici vous pouvez voir l'adresse. Donc c'est un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur un blog en cherchant en fait comment avoir un avis sur mes morceaux ou sur des remixes. Et donc le principe, comment ça marche? Alors je trouve ça super bien. Donc en fait vous envoyez, donc déjà vous vous inscrivez sur le site, hein. Donc là je me suis déjà inscrit avec mon nom d'artiste, mon autre nom d'artiste, Spilout Music. Et une fois que vous êtes inscrit, en fait vous pouvez envoyer des morceaux à des blogs pour avoir des avis dessus. Alors hop, on va aller ici dans My Account. Donc ça c'est mon, voilà, ça c'est mon compte, c'est là où je reçois les alertes email, les infos. Alors il y a deux types de comptes, il y a le compte gratuit et le compte payant. Alors sur le compte gratuit, en fait vous pouvez envoyer deux demandes d'avis maximum tous les 4 heures. Donc ça c'est quand on n'a pas de premium account ici. J'ai pas de premium account. Et donc c'est que deux morceaux tous les 4 heures, enfin deux envois tous les 4 heures. Et vous pouvez envoyer donc à plusieurs blogs dont la liste est ici en fait. Je crois qu'il y a tous les blogs, ils sont tous les blogs répertoriés sur le site, enfin qui sont partenaires avec SubmeetHub, auxquels vous pouvez envoyer les morceaux. Donc il y en a vraiment un paquet, il y en a quelques-uns peut-être que vous connaissez, donc par exemple Dancing Astronaut qui est assez connu. Donc vous pouvez cliquer après directement sur le blog en question pour avoir la description. Alors ici donc on a la fiche du blog. Vous avez toutes les informations sur le blog, donc bon, ils ont une petite description. Les statistiques intéressantes, donc ça c'est tous les morceaux qui ont été envoyés et les morceaux acceptés. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est classique, il y a toujours le ratio entre ceux qui sont acceptés et les morceaux soumis est toujours ultra faible. Et donc voilà, donc ce qu'on peut voir ici c'est intéressant, le response rate, c'est le taux de réponse du blog en fait par rapport au nombre d'envois. Donc ça c'est quand vous avez un abonnement premium, il y a 86% de réponse. Et en standard, donc en abonnement gratuit, il y a 33% de réponse. Alors donc oui, pour en revenir au type d'abonnement, donc le standard c'est deux envois maximum tous les 4 heures. Et le premium, donc vous avez que je me rappelle celui-ci. Voilà, premium, vous achetez des crédits. Donc 5 crédits pour 5$. 10 crédits pour 9$, 30 crédits pour 25$ et 50 crédits pour 40$. Et la différence, c'est qu'on a une réponse garantie en 48 heures. Donc les envois au blog donc, sont prioritaires sur celles qui sont gratuites. Et les blogueurs doivent coûter impérativement 20 secondes avant de prendre une décision. Ça évite qu'ils prennent leur décision à la va-vite. Et ils sont obligés de mettre un feedback de 10 mots minimum pour savoir pourquoi, au cas où ils ont décliné votre morceau. Voilà, donc ça 5 crédits, 5 envois, 10 crédits, 10 envois, etc. Voilà, donc c'est vraiment la petite différence. Et je trouve que c'est voilà, c'est un prix intéressant. 9$ par exemple, vous prenez 9$ pour 10 crédits. Et voilà, c'est un bon prix pour avoir un avis un peu sur ces morceaux. Donc voilà, donc je reviens à mon blog. Donc ça, on a forcément un nombre de morceaux acceptés en premium qui est supérieur, parce que bon, le blog il s'engage en fait, il est payé pour ça, donc forcément ça motive un peu plus je pense. Standard, bah, il y a moins de réponses. Et donc ça c'est les genres auxquels le blog est intéressé.
voilà, House Pop, les streamings, là où il envoie ses morceaux après aux gens, là où il diffuse ses morceaux, pardon. Voilà, donc il accepte les morceaux envoyés en mode standard et en mode premium. Et Reviewer, donc ça ce sont toutes les personnes qui s'occupent d'écouter les morceaux, je pense qu'ils bossent pour le blog, qui doivent être plusieurs, et là on peut voir même quand on remonte une dernière connexion. Donc je pense qu'ils doivent se relayer entre eux, parce que là on voit des personnes qui ne sont pas connectées depuis 7 mois par exemple ici. Donc effectivement il y a peut-être beaucoup de monde qui ne s'est pas connecté. Alors donc là on peut accéder à la page Facebook du blog, au compte Twitter et au site internet officiel. Donc c'est pareil pour tous les blogs. Hop. Donc voilà, donc c'est intéressant de regarder un peu, de regarder les blogs qui correspondent à son style, hein. Éviter d'envoyer un morceau qui ne correspond pas au style du blog, sinon vous aurez peu de réponses et des refus. Et donc voilà, on voit tous les blogs comme ceci. Alors comment ça se passe quand on veut envoyer un morceau? Donc on clique sur Submit a Song. Donc moi j'avais déjà envoyé deux morceaux ici. Et donc ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez le lien par exemple SoundCloud, AudioMac, YouTube, Funburst. AudioMac et Funburst, je sais pas, je connais pas trop comment ça marche. Et par exemple, vous allez sur mon compte le magasin. Je prends celui-là par exemple, hop, clac, copier. Et je colle directement ici le lien. Voilà. Et là, ça va précharger le morceau. Donc là je mets le nom de l'artiste, le nom du morceau, si ce morceau est déjà sorti, et une petite description. Pas obligé de la mettre, mais je pense que ça peut être bien, peut-être pour avoir plus de taux de réponse. Donc là, son pays, bien sûr, je choisis c'est le pays. D'où vous venez, d'où vient l'artiste, et vous faites next. Alors est-ce que... Là, je vais mettre un truc. Et voilà, j'ai trois fait. Similaire artiste, on s'en fout. Là je mets France. Donc là on peut choisir si on utilise des crédits premium ou standard. Donc moi j'ai que standard. Donc là je fais standard. Et voilà. Alors là ce qui est intéressant, c'est qu'il faut choisir en fait d'abord à quel style correspond le morceau qu'on va envoyer. Donc là moi dans mon cas c'est plutôt deep house, voilà, et avec un mélange de, pourquoi je dirais, allez, down tempo au hasard, voilà. Et là ça va filtrer les blogs en fonction des deux styles que vous avez mis, et après il faudra choisir donc dans cette liste les blogs auxquels vous voulez envoyer les morceaux. Voilà. Alors un petit conseil, c'est de regarder le taux de réponse avant d'envoyer vos morceaux pour multiplier vos chances d'avoir une réponse, en fait, surtout en mode standard. En mode premium ça compte pas trop, mais en mode standard vaut mieux regarder ça. Voilà, vous choisissez vos blogs, vous cochez ici, tac tac, regardez bien aussi la petite description, ça peut vous aider à savoir si vous visez le bon blog ou pas, et vous faites submit, et après il y a un petit message qui vous demande de valider et vous êtes bon. Voilà, tout simplement. Donc là reset. Là je clique sur cancel. Alors celle-là, est-ce que je peux la virer? Est-ce qu'on peut supprimer le morceau? Je sais plus, on l'a gardé. On peut pas l'enlever. Bon, tant pis, c'est grave. Donc voilà, donc ensuite quand on a envoyé son morceau, donc là par exemple celui-là je l'ai envoyé à 7 blogs, j'ai eu une réponse de 4 blogs. Il faut que j'aille pour avoir ça. Est-ce qu'on voit ça? Voilà, dans submission en haut, et après vous cliquez sur view détail, et voilà, donc là j'ai le détail de quand on remonte mon dernier envoi. Donc là j'avais envoyé il y a 6 heures à 2 blogs mon morceau, donc j'ai utilisé 2 crédits, un crédit il y a un peu plus d'une journée pour ce blog Dance Like Nobody, 2 crédits que j'ai utilisé il y a 3 jours, donc à chaque fois c'est pour le même morceau, hein. C'est juste que j'ai fait des envois à plusieurs blogs, et là on a les réponses. Donc là pour l'instant j'ai que des réponses négatives, et il y a marqué décliné ici, voilà, marqué que blog a écouté le morceau,
il y a marqué donc que j'ai envoyé ce morceau à deux blogs il y a 3 jours. Donc là on peut cliquer sur view pour voir les détails. Donc là comme je suis en mode gratuit, bah, j'ai pas le retour en fait de pourquoi ça a été refusé. Je crois qu'il y en a eu un, j'ai eu un retour. Je sais plus où il est. Ah non, je crois que c'est pas sur vous. Donc ça pour info, c'est des morceaux que je prépare. Je ne sais pas quand je vais les sortir ou ce que je vais en faire encore. Pour l'instant, j'essaie d'avoir des avis des blogs justement. Donc, que je fais avec mon compte Spiloot, avec mon nom d'artiste Spiloot. Voilà, donc ça j'ai une réponse. This track is unsure what it wants to be. Donc, j'ai pas trop pigé ce que c'est, ce qu'il voulait dire. Mais au moins j'ai une réponse, c'est pas mal. Et après on peut donner une note. Une note de commentaire, donc voilà, c'est pour avoir pour savoir si la remarque était pertinente ou pas. Moi j'ai mis 2 sur 5 parce que je suis pas trop pigé ce qu'il voulait me dire par cette réponse. Si Strike is un chien, what he wants to be. Donc bon, voilà, après peut-être que le mec avait pas le temps de faire un truc plus développé, mais voilà, c'est toujours voilà, pour vous montrer le système qui est vraiment intéressant quoi. Et voilà, c'est vraiment vraiment bien foutu, je trouve, ce site. Il y a même un chat, vous pouvez discuter avec les gens ici. Voilà, donc c'est pas fait pour faire sa pub pour les morceaux, mais voilà. Ça peut vraiment être super intéressant. Donc après Popular, je crois qu'ici qu'on peut voir tous les morceaux les plus populaires par rapport au nombre de morceaux validés par les blogs. Ici 14, 13. Alors je sais pas ce que ça veut dire, 30%, je vois pas trop comment ça marche. Faut creuser, faut regarder. Et on peut voir par style en fait, pop, électropop, hein. Voilà, tac tac tac, voilà, bon je pense que c'est tout pour ce petit site, hein. J'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre dans cette vidéo, ou à laisser des commentaires, ou à me contacter par mail. Alors après il y a d'autres sites, il y en a un autre qui s'appelle Audio Kite. Ouais, c'est celui Audio Kite, mais c'est encore un site plus poussé. Je pense que je ferai peut-être une vidéo, une autre vidéo le concernant. Voilà, c'est tout pour le site submeetup.com. Merci, à plus tard.